Donc les impacts de la crise, comme vous pouvez l'imaginer, ont été brutaux et forts. Un ralentissement brutal de l'activité de l'économie marocaine et par ricochet du système bancaire. La Société Générale, entre autres, ne pouvait pas être isolée par rapport à ce qui se passe. Donc on a eu deux premiers impacts. Le premier, c'est l'impossibilité financière de bon nombre de nos clients, entreprises comme particuliers, de pouvoir continuer à faire face à leurs échéances de crédit bancaire. Ce qui a donné lieu à tout ce dont on a entendu parler, on pourra rentrer un peu plus dans le détail, sur les demandes de report de crédit. Ils ont été globalement au niveau du système bancaire. Hier, on apprenait d'une communication de M. Mouani de la Banque centrale, où les particuliers, ils ont porté sur 70 milliards de dirhams, quelque chose comme 478 860, si monsieur Venu sont bons, de demandes de report. Sur les entreprises, ça a porté sur 50 milliards, et pour 32 milliards et quelques, pour 32 000 et quelques entreprises qui ont demandé le report de paiement. Dans cet environnement, la Cité Générale a eu quelque chose comme 2 500 entreprises qui ont demandé le report et 28 000 particuliers professionnels qui ont demandé le report de l'échange de crédit. Ça s'est fait, cet aspect-là s'est fait dans un esprit citoyen de part et d'autre, les clients comme les banques, puisque nous savons, le système bancaire, avec le concours de l'État marocain, a accepté de prendre à sa charge une partie des charges d'intérêt intercalaires sur les clients ayant des échéances de crédit à la pension de moins de 1 500 et de crédit immobilier de moins de 3 000 dirhams par mois. Ça a été une prise en charge conjointe du système bancaire et de l'État marocain. Pour le reste, on a permis aux clients un peu de pouvoir continuer sans se mettre en défaut de rembourser avec un report d'échéance qui parfois a été 3 mois pour certains secteurs plus impactés comme le tourisme qui a été porté jusqu'au 31-12 de cette année. Voilà, donc ça c'est le premier impact sur le système bancaire et sur la clientèle système bancaire. Le deuxième impact, c'est pratiquement l'arrêt, si ce n'est, ou du moins la faible fréquentation de nos clients dans nos agences, puisqu'on a assisté à un ralentissement net du nombre de visites de nos clients dans nos agences. Et ça a donné lieu deux impacts. Le premier, c'est que il y a eu une faible consommation des produits bancaires, les clients se rendant de moins en moins et avaient en tête d'autres priorités. On ralentit un peu le rythme de consommation de quelques produits classiques bancaires ou de banque assurance. Donc naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, ça impacte fortement les comptes d'exploitation des banques et des compagnies d'assurance affiliées. Mais le plus important de tout ça, c'est comment les uns les autres, les banques comme leurs clients, se sont adaptés à cette crise à travers l'adoption d'un certain nombre de principes, de démarches relevant du digital. Donc, les mesures prises par Banque Marie, par les autorités publiques marocaines dans le cadre des décisions du CVE, si je peux me permettre de les rappeler, c'était globalement les dames en oxygène et les dames en relance dans ces différentes formules. Comme son nom l'indique, dames en oxygène était là pour donner un peu plus d'oxygène aux entreprises, leur permettre de continuer à fonctionner et faire face un peu à leurs difficultés momentanées, puisqu'on a bien remarqué qu'avec cette crise-là, le recrutement qui pose problème au Maroc, et vous le savez, ce n'est pas un scoop que je vous donne là, l'entreprise marocaine souffre des problèmes de recouvrement. Ça s'est encore accentué pendant cette crise. Et donc, les entreprises ont été obligées de faire face à leurs échéances, parfois nécessaires, notamment vis-à-vis de leurs fournisseurs, pour maintenir l'appareil productif en marche, pour maintenir, quand il le fallait, pour maintenir aussi les salariés, les emplois des salariés. Au-delà de ce que j'ai oublié de vous en parler, là aussi on a eu un rôle important, au-delà de ce que l'État marocain a fait aussi bien dans le cadre de l'indemnisation des affiliés CNSS, que dans le cadre des aides sociales qui ont été accordées à 5,5 millions de Marocains. Là aussi, si je peux rajouter un peu le rôle qu'ont joué les banques là-dedans, il était juste primordial. Ouais. Ça a été suffisant. Maintenant. Moi, je veux.
pas simplement pour faire du politiquement correct, c'est mon régulateur, donc ça me permet de dire autre chose. Mais plaisanterie mise à part, honnêtement, ça a été suffisant parce qu'on n'a pas remarqué d'assèchement de la liquidité bancaire. On n'a pas remarqué de besoins qui n'ont pas été satisfaits. On n'a pas remarqué de banques qui avaient des besoins qui n'auraient pas été satisfaits. Je pense que toutes les banques ont eu ce qu'ils demandaient, puisque l'ouverture à des collatéraux, d'abord sur le financement de la TPME élargi au fonctionnement pour intégrer Oxygène et tout ça, et aussi l'élargissement des collatéraux au crédit hypothécaire, tous les instruments que vous connaissez, que je ne rappellerai pas ici, ont permis réellement aux banques de pouvoir accéder au financement de la Banque centrale sans aucune difficulté. D'abord, la première des choses à souligner, que c'était des choses qui étaient particulièrement bien réfléchies et dans un esprit tout à fait collégial. Puisque il y a eu des réunions, au départ, si je prends l'exemple d'Oxygène, on avait exigé un certain nombre de documents qui par la suite se sont révélés être très très difficiles à collecter, notamment pour la toute petite entreprise. Donc je disais qu'avec le GPVM, moi-même je faisais partie de la commission qui a travaillé sur le sujet au nom du GPVM, avec la CCG, avec le soutien de la Banque centrale, et on est arrivé à finalement sortir une copie corrigée, mais une copie qui a parfaitement bien répondu un peu aux attentes des opérateurs économiques marocains. La vérité, c'est qu'au départ, il y a eu peut-être une perception qui n'était pas complètement partagée de tout le monde. Je prends un titre d'exemple là-dessus. Par exemple, tout ce qui a été demandé en termes de garantie. Certaines banques ont commencé à réfléchir crédit, mais pas crédit sur gage. Autrement dit, ce n'est pas parce que j'ai la garantie CCG que je vais ouvrir les robinets et donner tout n'importe quoi. Et on a, je dirais parfois légitimement, parfois peut-être un peu exagérément, ça dépendra de l'électeur qu'on fera chacun. Ouais. Commencer à demander des garanties, il y a une réaction qui a fait, sous l'impulsion de la Banque centrale, qui nous a demandé, tout en nous demandant de continuer à être rigoureux, de travailler dans un esprit de permettre un fonctionnement normal de ces outils-là. Et donc on a globalement revu un peu la copie. Et tout ça a fait que finalement, Je parle de la copie corrigée de Daman Oxygène. Sur Daman de relance, j'allais dire que dès le départ, on a quand même travaillé à avoir une copie assez aboutie au départ. La preuve en est, c'est que quand on a présenté ça, par exemple, à la CGM, la première réaction du bureau de la CGM, c'était de nous dire on voit bien que c'est un travail qui était bien, bien préparé et bien fait. Daman Oxygène, donc je disais que ça a permis quand même d'apporter, comme son nom l'indique, de l'oxygène à la trésorerie de beaucoup d'entreprises et de permettre un maintien un peu de l'économie en marche, du tissu économique en marche. Donc, entre d'un côté la prise en charge par l'État, notamment de la CNSS, des salaires, des fameuses 2000 dirhams pour les salariés qui ont vu leur activité momentanément arrêtée ou totalement arrêtée, partiellement totalement arrêtée. Entre ça, d'un côté, de l'autre, Daman Oxygène, je pense que ça a permis de faire passer un deuxième trimestre qui était carrément, où l'économie était carrément à l'arrêt, de permettre un passage un peu normal, et de un passage où les entreprises on a limité la casse, où les entreprises ont permis, ont été capables quand même de maintenir leur outil de production le temps que la relance s'opère. Après est venue relance. Et relance, peut-être que son nom serait peut-être impropre, mais relance, c'est beaucoup plus un outil qui permet un peu aux entreprises d'être résilientes, de pouvoir continuer à mettre la tête hors de l'eau et de continuer à développer leur activité, puisqu'on a bien vu que l'activité n'a pas réellement repris au 1er juillet. On a eu un confinement qui s'est encore prolongé. Vous avez vu ce qui se passe à Casablanca et comment il a se passé à Casablanca. Ouais. On ne veut pas dire qu'aujourd'hui l'activité des économies, et des entreprises et des professionnels et des commerces et tout ça n'a pas encore complètement repris. Donc relance a été là aussi pour permettre aux gens de continuer à maintenir leur activité, pour certains à la développer, puisque tous les secteurs n'ont pas non plus été impactés de la même façon par cette crise-là.